Eh bien, salut à tous les amis, c'est The King Ragnarok, hein, c'est une nouvelle vidéo sur The Last of Us. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va parfaitement. Je sais, moi aussi. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Alors, voilà. Sans un peu d'ennemis en vue. Est-ce qu'on entre? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. El Diablo. Parfait. Ok, on va rentrer. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... c'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ah, Starfall là, mon ami. Enfin, ils ont idée à nous faire rentrer et donner à manger. Ah putain, on est pas dans la merde. Enfin, quand même. Allez hop, on y va. Ah, okay. Enfin, tu penses? Fausse alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. C'est vrai? Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, hey, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite. Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Wesh, Tommy... Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler.
Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. Attends, Tommy. Je reviens. Il y a un truc en haut. Bouge comme un couille. M'intéresse ici. Voilà, merci, c'est ce que je voulais. Ah, ça fait zizir. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Oh, ça fait plus zizir, ça aussi. Encore plus plaisir. Ça, c'est bon, Toby, on peut y aller. Tommy, si tu veux de J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Ok, on va voir les gars là-haut. Alors. Si ça peut te faire toujours zizir, ça fera toujours zizir, hein. Cool. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit. Ils vivent de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On sait que ce mode de vie était mort et enterré. Et niveau sécurité, les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein ? Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Ouais, j'aime bien l'avoir ici. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. C'est sûr ? Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas ? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok. Attends, bon, disons deux. Logique. On est presque prêts. Ils n'ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Donc, confection. Donc, bye. Armes à faire, à murer. Et celle-là, c'est à la droite pour les dernières, c'est pas quoi. Ça tiendra. Quand j'arrive, Tommy, j'ai mis quelque chose. Ok, c'est bon.
C'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Oui. C'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. Impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. Ouais. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule? Non, je veux pas de ta gueule. Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Oh. Merde! Des bandits! On va partir en bagarre. Merde, des bandits!